Gabonaises, Gabonais, très chers compatriotes, à l'occasion de la fin de l'année 2022 et au moment où s'ouvre l'année nouvelle 2023, il me plaît de vous adresser mes voeux de paix, de santé et de succès à tous et à chacun dans vos foyers et familles respectifs. 2023 est une année très attendue dans notre pays. Elle est crainte par certains, elle est espérée par d'autres, mais elle doit surtout être une année de prise de conscience collective pour ce que nous voulons de mieux pour notre pays, le Gabon. Je prie que nous puissions vaincre nos peurs pour donner le meilleur de nous à ce pays qui nous donne tant et auquel nous ne donnons pas suffisamment. Mes chers compatriotes, à ce moment précis, j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2022 dans l'attente et l'espoir d'un mieux-être qu'ils n'auront pas vu. J'ai aussi une pensée pour ces citoyens injustement privés de leur liberté et sans jugement au-delà des délais légaux. Mes pensées vont de même vers tous ces jeunes Gabonais qui espèrent tant de leur pays, mais qui sont en retour si mal servis. J'ai de même, en cette fin d'année, une pensée pour toutes ces femmes qui, souvent, dans la douleur et le courage, se battent pour garder un foyer et élever leurs enfants, pépinières de la nation, dans l'espoir d'un toujours mieux. J'ai par ailleurs une pensée pour nos compatriotes, loin de leur pays, mais si proches par le cœur, et qui s'impatientent d'y revenir pour participer eux aussi à l'œuvre commune. J'ai enfin une pensée pour tous ceux qui, dans notre pays, ont une parcelle d'autorité. En priant que chacun ait à cœur, dans le cours de leur gestion, la grande image du Gabon plutôt que la petite image de soi. À tous et à chacun, je vous renouvelle mes vœux les meilleurs pour cette année 2023. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.